Vas-y, j'ai fait remuer. C'est un gris, mon gars. À partir de maintenant, 2 minutes. Le feat que tu aurais aimé faire dans ta carrière? En vrai, tous ceux que je voulais faire, j'ai fait, mais Snoop Dogg. Ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage, c'était en Californie avec le Puerto Rico et Hero. Gros, on avait fumé Vlad Ladoui comme départ pendant un mois, c'était trop lourd. La taille de ton plus gros sandwich? Waouh, alors moi je l'avais pas mesuré, mais on l'avait pesé et il faisait 800 grammes. Ah oui? Ouais. Si tu pouvais remonter le temps, t'irais vivre à quelle époque? Ah, j'irais vivre à l'époque où, tu sais, il y avait un peu beaucoup de sida, mais c'était Vlafri, là. C'est 70 ou 80, je sais plus. Des 80, ouais, années 80. Ah bah ça, c'était fait pour moi, ça. Genre le côté festif des années 80. Ah bah là, gros, moi je me la souviens. L'insouciance, la vigilance, quoi. Ta punchline la plus drôle? J'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine. La plus... Ah, tu vois, elle est drôle, t'as rigolé toi aussi, quoi. La plus grosse célébrité qu'il y a dans ton répertoire? Bah, je pense que c'est Jean du Jardin. Hein. Ta marque de lunettes préférée? C'est Oakley. En quoi dirais-tu que tu es une légende vivante? Bah, je pense que la plupart des gens qui ont fait des grandes choses, ils sont déjà morts, gros. Et là, comme tu peux le voir, je suis en face de toi, je suis en chair à un os. Et en pleine forme. C'est ça. L'application de ton téléphone que tu utilises le plus? Ouais, bah Telegram, gros. Attends, tu sais, là-bas, des doux canaux, gros. C'est là, c'est... La verdure est en illimité. Ah, c'est Telegram fort par ici. Hein. La célébrité avec laquelle t'aimerais bien avoir une date? Un rendez-vous? Ah, je vais être à l'ancienne, gros. Comme si on pouvait vraiment remonter dans le temps et qu'elle soit un peu plus jeune, mais ça serait Eva Longoria. Ouais, ah, c'est un petit délire, gros. Quand je la voyais dans Desperate Housewives, gros, j'étais là en mode waouh, je m'en battais les couilles de l'histoire, mais je continue à regarder. Trois mots pour résumer ta carrière. Incroyable. Si t'avais un pouvoir, ce serait quoi? Ça serait voyager dans le temps, obligé, gros. Ta série préférée? C'est Pokémon, gros. Je sais pas si ça compte, mais moi, c'est mon animé, ma série préférée, gros. Est-ce que tu as revu Shine depuis votre feat, nous deux, et depuis cette longue histoire d'amour? Ouais, bien sûr, on s'est revu et on est en très bon terme aujourd'hui. Et gros big up, et gros bisous à toi, Tamara. Ta position préférée? C'est quand, je sais plus le nom, mais c'est quand on est au-dessus. Moi, je suis un peu fainéant. J'adore quand c'est au-dessus. En plus, la vue, elle est pépite. Parce que t'es là, t'es en mode commas, gros. Et le langue. Ouais, j'en ai répondu à pas mal, non, quand même, gros. Ouais, mais il en restait 3. Ah, mais ça va. Est-ce que tu veux? Dis-les-moi, je te les réponds. Pète, gros. Ton plus gros talent aux côtés de la musique? Les tricks. Si t'étais un animal, tu serais quoi? Raton laveur. Dans 10 ans, tu te vois où? Je serais sûrement mort, mais il y aura des statues de moi. Bravo. Allez, on file 10 albums. On file 10 albums. En plus, c'est l'ultime album. C'est l'ultime soirée de Lorenzo. Allez, puis Skyrock donne 20 bons d'achat de 100 euros pour Amazon. Allez, on aura l'humain pour fêter ça. Et l'ASMR d'allumage de Space, mon pote. J'espère que ça crépite à Sky là. Sur win.com. Toi, par contre, Rico, tu peux filer absolument ce que tu veux d'ailleurs.